Hôtep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Kim Jong-un, il envoie un message à Assimi Goïta, président du Mali et président de la Confédération des États du Sahel. Le message a été transmis par l'ambassadeur de la Corée du Nord au Mali, mais résidant à Abuja, au Nigeria. C'est un message qui n'a pas été révélé, parce que c'est secret, mais nous savons que c'est le renforcement de la coopération et l'assistance dans le domaine, notamment militaire et technologique. Il y a des gens qui disent que, certains panafricanistes qui pensent que c'est bien que Kim Jong-un puisse soutenir le Mali et les pays du Sahel, puisse aider, voilà, aider. Moi, je pense que nous devrons arrêter avec ce système d'aide. L'aide n'a jamais développé un pays. N'attendons jamais que un pays puisse nous aider à nous développer. Même pas la Chine, même pas la Russie, et encore moins les États-Unis, la France, alors c'est même pas la peine. Le concept d'aide que les Français ont inventé en Afrique francophone, ont mis entre nous et eux, dans les relations entre nous, c'est un concept qui est galvaudé. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Moi, je soutiens les pays du Sahel qui coopèrent avec des pays comme la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord a une technologie militaire que nous avons besoin. La Corée du Nord est sous sanction depuis plus de 50 ans, mais c'est un pays qui n'est pas à genoux devant les États-Unis d'Amérique. On va dire que c'est un pays pauvre, oui. Mais c'est un pays qui tient le coup parce que il est appauvri, puisqu'il a quand même le monde entier sur lui. Avec autant de sanctions, ce n'est pas facile. Vous avez vu l'Iran? L'Iran aussi est sous sanctions depuis très longtemps, mais aujourd'hui l'Iran est une puissance. Ne soyez pas surpris d'apprendre que l'Iran est maintenant la sixième parmi les 10 puissances du monde. Donc, et nous avons vu qu'avec le président Poutine, que les sanctions, en fait, c'est une bonne opportunité pour le développement. Le Mali, le Burkina et le Niger sont sous sanctions, vous le savez très bien. Oui, mais c'est ça qui fait d'ailleurs qu'ils se battent. Ils sont parmi les meilleurs pays gérés en Afrique. Mali, Burkina, Niger, ce sont les pays qui sont le mieux gérés en Afrique actuellement. Des pays qui sont en guerre, mais qui se battent pour développer leur pays, pour avoir industrialiser le pays, mais c'est exceptionnel. La technologie que Assimi Goïta est allé contracter auprès des Chinois, il peut avoir aussi la même technologie, peut-être même moins chère ou similaire en Corée du Nord. La Corée est un pays enclavé, un pays sous embargo. On peut l'aider aussi. Hein? Elle peut, par exemple, produire, nous aider, nous assister, coopérer dans le domaine de l'agriculture. Et puis, on envoie les produits chez eux là-bas. Ils achètent ou ils échangent avec des armes. Donc, je crois que c'est des pays d'opportunité. Contrairement à ce que les Occidentaux pensent et veulent nous faire croire, la Corée du Nord, à mon avis, c'est un pays d'opportunité. Pour nous, nos pays qui veulent avancer, c'est des pays comme ça qu'il faut contacter. C'est pas les pays comme la France, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, qui ont une politique coloniale qui dure depuis très longtemps et qui veulent encore nous appuyer, nous maintenir dans ce sous de l'eau parce que eux, ils sont venus chez nous juste pour piller les matières premières. Alors qu'avec des pays comme la Corée du Nord, si nous coopérons bien, on fait gagnant-gagnant. Eux, ils sortent de l'isolement. Eux, ils reçoivent les produits que nous fabriquons.
notamment dans l'agriculture, on peut les aider, hein, les céréales et autres. Et puis eux, ils nous aident par exemple dans le domaine militaire, en échange. Ce n'est pas comme disent certains panafricanistes, non, ils vont nous aider. Non, on n'a pas besoin d'aide. Non, on n'a pas besoin d'aide. Si c'est l'aide là, oubliez ça, on n'a pas besoin d'aide. C'est ça l'aide qui nous permet, qui nous pousse à perdre notre souveraineté. Il faut coopérer. Vous nous aidez dans ce domaine, nous on vous aide dans ce domaine. Ce n'est pas que non, vous êtes là, vous, la Corée du Nord c'est un pays pauvre. Si ce n'est que ça, ce n'est même pas la peine. Ils n'ont pas d'argent pour venir nous aider. Donc il faut coopérer avec ces pays-là qui ont besoin justement de relations, qui ont besoin de sortir. Parce que les Coréens sont intelligents. Ce que vous voyez que fait la Corée du Sud, là, mais la Corée du Nord aussi peut faire ça, c'est parce que la Corée du Nord est sous embargo. Sinon, la Corée du Nord serait peut-être plus avancée que la Corée du Sud. Vous voyez ? Donc, je crois que le président Kim Jong-un a fait quelque chose de formidable. Et c'est une grande opportunité que le Mali, le Burkina et le Niger devraient saisir. Voilà. On peut coopérer. Vous voyez, c'est la Corée du Nord fournit des obus à la Russie. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Elle peut nous fournir aussi des armes. En dehors de ce que la Russie nous fournit, elle peut aussi nous aider. Et nous aussi, on peut l'aider dans certains domaines, dans certains produits qui sont difficiles à trouver là-bas en Corée du Nord parce qu'il y a l'embargo. Les Coréens peuvent venir travailler chez nous et puis développer la technologie, nous transmettre leur technologie et les produits qu'ils fabriquent avec nous, eh bien, on les envoie chez eux là-bas pour eux aussi puissent avancer. Donc je crois que c'est vraiment une très bonne nouvelle, très bonne information. Et nous saluons ce président qui se bat, parce que c'est un pays qui se bat contre l'OTAN depuis très longtemps, mais qui résiste et c'est formidable. En tout cas, j'espère que le président Assimi Goïta va tenir cette opportunité et ne pas s'occuper des sanctions de l'Occident. C'est pas le Mali qui a sanctionné la Corée du Nord. Moi, je crois même que nos pays là, vous devrez vous arranger à faire un tour en Corée du Nord. Parce que vous n'avez rien à voir avec ces sanctions. C'est pas nos sanctions, c'est leurs sanctions à eux. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec ça. Vous n'avez jamais sanctionné la Corée du Nord. Vous avez le droit. Les ennemis des États-Unis, de la France et de l'Europe ne sont pas nos ennemis à nous. Que ce soit bien clair. Leurs ennemis ne sont pas nos ennemis. Sinon, la Russie, qui est leur ennemi aujourd'hui, ne serait pas notre ami. Voilà. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.